reborn. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ce matin, j'aimerais expliquer quelque chose aux gens. J'aimerais expliquer ce qui se passe souvent dans la tête de certaines personnes et elles se posent tas de questions, mais pourquoi ça se passe ainsi, pourquoi ceci arrive. En fait, les gens n'arrivent pas à se connaître eux-mêmes. C'est-à-dire, un homme ou bien une femme n'arrive pas à elle-même se maîtriser, se cerner. Souvent, quand elle regarde ses actions, les actions qu'elle pose, elle-même se dit, est-ce que c'est pas le diable même qui me possède? Est-ce que c'est pas le diable qui fait ça? Vraiment, je pense que c'est le diable. Ou bien non. Souvent, là, les gens, quand ils commettent de grands péchés, ils accusent le diable aussi. Genre, tu vas voir une femme, elle trompe son mari et son mari l'attrape. Et son mari lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Elle dit, oh, mon mari chéri, pardonne-moi, pardon, c'est pas moi, c'est le diable. Ou bien un homme qui trompe sa femme. Sa femme l'attrape, il dit, oh chéri, oh, excuse-moi, faut me pardonner encore beaucoup plus, c'est pas moi, c'était le diable. Est-ce que c'était vraiment le diable? Ou il y a eu un travail du diable derrière qui a donné un tel résultat? Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, je vais tout vous dire. Mes frères et sœurs, je vais vous dire. Un être humain normal, il est droit dans sa tête. Un être humain normal, lui, là, dans sa tête, là, il y a trois personnes. Il y a trois esprits. Et ces trois esprits, là, parlent. Ils ne font que parler. Ce sont les révélations que vous donnez. Ils ne font que parler. Ces trois esprits qui sont dans la tête de l'homme, là, ils ne font que parler. Qui sont ces esprits? Je vais vous dire ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, prenons maintenant un humain qui n'est pas normal. C'est-à-dire un humain qui est dans la sorcellerie. C'est-à-dire un humain comme vous et moi. Mais lui, c'est un sorcier. Lui, là, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes y a-t-il dans sa tête? Ce sorcier-là, il y a deux personnes dans sa tête. Quand il était né, il y avait trois personnes. Mais quand il a été initié à la sorcellerie, là, il y a une personne qui est morte. Cette personne qui est morte, là, qui est-elle? Je vais vous dire aussi. Pour que vous puissiez bien comprendre, pour que vous puissiez bien vous-même vous comprendre et comprendre les gens qui sont autour de vous. Pour que vous puissiez comprendre en quoi vous êtes. Écoute tout le monde vraiment très bien. L'être humain normal, comme je vous ai dit, il y a trois personnes dans sa tête. Lui seul dans sa tête, là, il y a trois personnes. Maintenant, qui est la première personne? La première personne, là, c'est cette personne-là qui est toujours la première à parler. Cette personne est toujours chaud. Dès qu'il y a une situation, cette personne-là qui vient d'abord parler, d'abord, vous entendez sa voix d'abord. Et cette voix-là, c'est la voix du diable. C'est-à-dire, c'est l'esprit du diable qui est en vous, qui est la première personne-là. La première personne. Cette personne-là, faites tout pour ne pas l'écouter. Faites tout pour ne pas la suivre. Parce que si vous suivez ses idées, vous allez faire beaucoup d'erreurs dans votre vie. Et après, quand vous posez la question, il y a quoi? Vous allez accuser le diable. Vous allez accuser les démons. C'est pour ça que souvent les gens font des bêtises et ils accusent les sorciers. Et ils accusent le diable. C'est à cause de cette première personne tout dans votre tête. Donc c'est l'esprit du diable qui est placé en vous pour vous influencer dans vos décisions, sur votre chemin et tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Là, on connaît la première personne. La deuxième personne, là, maintenant, qui parle, c'est vous-même. La deuxième personne qui parle, là, c'est vous-même. Vous êtes genre au milieu comme ça. La première personne est ici, l'esprit du diable.
et la troisième personne est là, vous allez la connaître tout de suite. Donc, la deuxième personne qui parle maintenant là, c'est vous-même. Et vous-même là, qui êtes ce troisième esprit là, ce deuxième esprit là, ce deuxième, la deuxième personne qui parle, c'est-à-dire ce deuxième esprit, vous-même, ce que vous avez l'habitude de faire là, c'est de vous parler à vous-même pour dire, vous posez très souvent cette question là, est-ce que, vous voyez non? Dès que vous entendez est-ce que si je fais ça, est-ce que, dès que vous entendez que la phrase commence par, là, ou bien la question se commence par, est-ce que c'est que c'est vous? C'est vous qui parlez. C'est vous. Et la deuxième personne, c'est vous. C'est votre esprit. C'est votre esprit. C'est là les gens disent, ouh, mon esprit de discernement. Je dois discerner, je dois chercher à savoir. Voici le bien, voici le mal. Je dois chercher à avoir un esprit de discernement. C'est-à-dire, et puis faire attention pour choisir le bien. En ce moment-là, là, au deuxième niveau, là, Dieu vous donne l'opportunité de choisir. Dieu vous donne l'opportunité de choisir. Parce que lui, il aura des suggestions aussi à vous faire. Et c'est là qu'intervient la troisième personne qui se trouve dans votre tête. Et la troisième personne qui se trouve dans votre tête, c'est celle-là même qui vient pour s'opposer au conseil de la première personne qui vous a parlé, du premier esprit qui vous a mis dans une telle confusion comme ça. Vous voyez, la troisième personne, c'est l'Esprit de Dieu qui est placé en vous. Le Saint-Esprit, lui, c'est un bon conseiller. Lui, il est placé en vous pour vous donner de bons conseils. Quelqu'un, une femme est venue prendre votre mari, vous êtes fâché, vous dites que vous allez aller frapper la femme là. Et le premier esprit qui est l'esprit de Dieu vous dit, vas-y. Mais là, cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, le bon esprit qui est passé, vous va vous dire, non, écoute, ce n'est pas nécessaire. On peut régler le problème autrement. Là maintenant, vous êtes là maintenant au milieu, maintenant vous dites, est-ce que je dois écouter le premier esprit ou bien je dois écouter le deuxième esprit? Est-ce que je dois écouter la première personne ou bien je dois écouter la troisième personne? En tout cas, la troisième personne me donne des conseils, mais ça ne m'arrange pas. C'est le conseil de la première personne là qui m'arrange. Parce qu'elle me demande de lui faire des dégâts sur ce mari, sur la fille là-bas. Il doit garder le coin. Ça m'arrange. Dans le pas du temps, le conseil que donne le premier esprit, c'est-à-dire l'esprit du diable qui est placé en vous, c'est fait pour vous arranger. En fait, c'est ce qui paraît. C'est ce qui paraît. Quand vous voyez ça, vous vous dites, ah, ça vous arrange. Mais quand Dieu parle avec son Saint-Esprit, c'est-à-dire la troisième personne parle, c'est fait pour vous faire laisser tomber le problème. C'est fait pour vous, pour ne pas vous permettre d'agir. C'est juste pour que vous agissiez autrement, mais avec douceur, avec sagesse, avec humilité, avec bonté, avec amour. Le premier esprit là, l'esprit du diable qui est placé en vous là, lui, il ne connaît pas ça. Tout ce que ça veut dire, lui ne connaît pas ça. Oh. Lui vient pour détruire. Maintenant, quand vous va vous pousser à détruire, quand vous allez l'écouter et qu'il va vous pousser à détruire, ce qui va se passer, quand vous serez dans les problèmes, il va se retirer. Et il va revenir vers vous comme un accusateur. Pour vous dire, c'est toi, c'est à cause de toi, c'est arrivé. C'est à cause de toi que c'est arrivé. Tu dois te reprocher à toi-même. Maintenant, vous allez vous poser la question, vous vous dites, mais ah, n'est-ce pas toi qui m'as donné ce conseil d'aller me battre avec la fille là? On va vous dire, comment ça? Moi, je t'ai donné le conseil, est-ce que j'étais obligé à m'écouter? Est-ce que j'étais obligé à m'écouter? Tout ça, ça se passe où? Dans la tête d'une seule personne. Une personne physique maintenant. C'est-à-dire, le corps physique, une personne physique. Dans ce corps physique, se trouvent trois personnes qui sont trois esprits. L'esprit du diable, l'esprit de la personne elle-même, et puis le Saint-Esprit. Voici les trois personnes qui se trouvent en un humain normal. Maintenant, l'humain normal doit choisir d'écouter qui va écouter. Et cela se passe dans chaque décision de votre vie. C'est-à-dire, dès que vous devez prendre une décision, genre, je vais acheter un nouveau portable, je vais acheter une nouvelle maison,
je vais acheter une nouvelle voiture, je vais faire quelque chose. Dès qu'il y a une décision à faire, ces trois esprits en même temps viennent. En permanence. Et vous devez les maîtriser. Vous devez les maîtriser. Enfin, vous, vous êtes là. Ces trois esprits vous font des suggestions. Et c'est à vous de choisir le bon chemin. En fonction de quoi? De la parole de Dieu. En fonction de quoi? Des écritures. En fonction de quoi? En fonction de votre cœur. Si vous avez un bon cœur, vous allez beaucoup écouter le Saint-Esprit. Et écouter de moins en moins l'esprit mauvais. Mais si vous avez un mauvais cœur, vous allez écouter l'esprit mauvais à 100%. Quand on écoute l'esprit mauvais à 100%, c'est que la troisième personne n'est plus là. Selon vieux de le cas du sorcier. Écoutez-moi bien, vous allez voir beaucoup, vous allez comprendre et connaître l'homme. Vous allez comprendre pourquoi certains humains sont sans cœur. Sans cœur, ils n'ont pas pitié. C'est parce que dans leur cas, dans le cas des sorciers, la troisième personne qui est l'Esprit de Dieu n'est plus. Cette troisième personne qui est l'Esprit de Dieu là, non, elle n'est plus là. Parce que quand les gens initiaient cette personne dans la sorcellerie, ils ont enlevé carrément le Saint-Esprit de cette personne pour remplacer cela par l'esprit du diable. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, cette personne-là, elle est deux dans sa tête. La première personne, c'est l'esprit du diable. Et la deuxième personne va être qui? Elle-même et son cœur. Elle-même et son cœur. Et son cœur là sera uniquement dirigé maintenant vers le mal. Uniquement dirigé vers où? Vers le mal. Et quand ça se passe ainsi, et que Dieu voit que de telles personnes, il y en a beaucoup sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Ça soulève sa colère. Ça soulève sa colère. Parce que de telles personnes, de telles gens vont faire beaucoup de mal sur la terre. À cause d'une seule personne, des milliers de personnes, voire des millions de personnes peuvent souffrir. Donc ça soulève la colère de Dieu. C'est là que Dieu dit, Dieu va dire maintenant là, je regrette d'avoir créé l'homme. Je regrette d'avoir créé l'homme. Je regrette d'avoir créé l'homme. Hier, j'en ai parlé. On a fait une vidéo là-dessus. Je pense qu'elle va apparaître à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Vous risquez d'être choqué. Cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo sur le cran ici. Là, vous savez maintenant qui vous êtes. Là, vous savez maintenant ce qui se passe. Il y a la plus... Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que la plupart des personnes sont possédées. Mais elles ne le savent pas. Quand une personne est possédée, là, elle va faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, mais quelque chose la pousse à le faire. Est-ce que vous voyez? C'est genre toi, tu vois une fille et dans ta tête, à même temps, tu te dis que tu dois sortir avec la fille là ou rien. Alors que c'est la go de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. Mais toi, dans ta tête, tu dis que tu dois sortir avec elle ou rien. En ce moment-là, toi, tu penses que c'est toi qui parles. Mais c'est déjà l'esprit du diable qui a déjà pris le dessus. Quand quelqu'un est dans une grande colère, quand il est dans une grande colère, les esprits mauvais entrent en lui. Quand les esprits mauvais entrent en lui, il prend le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se disent que tant qu'il n'y a pas la bagarre, que le sang ne coule pas, on ne les laisse pas la faire. C'est-à-dire, il y a des gens là, quand ils sont en colère, là, le sang doit couler. Ils doivent se bagarrer, le sang doit couler forcément. Sinon, eux-mêmes vont se blesser. Pour qu'ils puissent juste voir le sang. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un cas de possession. Les gens sont possédés. Mais le pire, c'est qu'ils ne le savent pas.
Même si vous leur dites que vous sont possédés, ils ne vous croiront pas. Parce que tout a l'air naturel. Tout a l'air tellement simple. Et ces gens-là même se parfument même. Ils sont même bien habillés. Ils sont bien habillés. Ils ont leur costume. Ils sont même peuvent utiliser des postes de haute responsabilité. Genre être président. Mais ces gens ne sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont plus avec nous. Ils sont déjà partis il y a très longtemps. Mais vous le voyez. Toutes les là. Ils vous saluent. Mais eux-mêmes là, ils sont plus là, il y a longtemps. Il y a longtemps, ils sont plus là. Leur esprit qui peut parler là. Et le deuxième esprit là. Il n'est plus là, il n'a plus de toi. Il n'a plus de toi à la parole. Il ne peut plus rien dire. Il n'a plus le droit de choisir. Quand ce deuxième esprit là, qui est vous-même là, vous n'êtes plus là et que vous êtes tenu captif. Et que vous n'avez plus le droit de parler. En ce moment, on dit que vous êtes sous possession. Vous êtes possédé. Parce que vous n'avez plus droit à la parole. Vous n'avez plus droit à aucun mouvement. C'est ce que veut dire être possédé. Est-ce que veut dire être possédé? Les gens possédés sans le savoir. Oui. Et moi, je vois ça beaucoup. Je vois des gens. J'ai vu par exemple un gars qui est très suivi. Il y a des gens qui parlent, il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Mais il est possédé. C'est les gens qui le suivent ne savent pas. Il fait les choses, même souvent, mais ça étonne les gens. Les gens se disent, mais ah, comment un humain normal peut-il faire ça? Il n'est pas normal. Je vous le dis. Il n'est pas normal dans sa tête, il n'est plus là. Il est tenu captif. Il est en captivité. C'est-à-dire, lui, sa personne qui doit parler là. Qui doit vraiment choisir. Cette personne n'est plus là. Il reste qui maintenant? Il reste l'esprit du diable. Maintenant, il faut maintenant quoi? Il faut l'intervention d'un homme puissant. Un homme plus puissant que cet esprit-là pour venir délivrer cette personne. C'est là qu'on va bénir Dieu. Que nous avons envoyé des hommes de Dieu. Des frères hommes de Dieu. Ce sont des gens qui ont cette capacité-là de demander à Dieu d'ouvrir le ciel et il ouvre le ciel. Et ce sont de telles personnes qui peuvent prier pour vous. Et puis, les démons qui vous ont tenu en captivité vont lâcher la prison, sa clé, les cadenas, tout ça. Et les anges vont venir vous retirer pour vous remettre en vous. Boum! Pour vous remettre en vous. Boum! En ce moment, quand vous revenez, vous êtes quoi? Hi! Il y a même quoi? D'où est-ce que je viens? Hi! Il y a l'autre, mais il y a une placardie! Hi! Ça, c'est quoi même? Je vais tout même! Aïe! Ça, c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, ça se passe. C'est pourquoi il faut aimer les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Bon, comme il faut aimer tout le monde, c'est ça. Mais, c'est comme ça que ça se passe. Voici qui est l'homme aujourd'hui. Voici qui est l'homme. Malheureusement, les gens qui ont un mauvais cœur représentent 75% des humains sur la planète. Mais, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose encore. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin que vous priez. Que vous priez, que vous priez. Quand ces gens-là font des choses vraiment, vous vous dites que c'est tellement pas normal, que vous n'aimez pas la force de prier pour ces gens. Mais il faut vraiment prier. Afin que Dieu puisse vraiment envoyer beaucoup de ses puissants anges ici sur la terre pour délivrer tous ceux qui sont tenus captifs. Quand ils vont rester là, revenir en eux-mêmes, ils vont regretter tout le mal qu'ils ont fait. Parce que le mal que le démon qui les possédait a fait aux gens, ça sera dessiné sur leurs mains. C'est-à-dire, quand tu vas revenir,
Quand tu vas arriver dans ton corps, quand tu as, toi, ta deuxième personne, ton esprit va arriver dans ton corps là, cette deuxième personne va trouver que la maison est sale et qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Cette personne va devoir assumer maintenant les responsabilités. Tu dois assumer jusqu'à la fin. C'est là les regrets. Donc le diable fait les bêtises avec ton corps et puis tu laisses toi à les problèmes après. C'est là les gens commencent à dire, oh si je savais, oh si je savais, si je savais, hi, si je savais, hi, hi, si je savais, oh si je savais, si je savais. Mes frères et sœurs, vous devez prier beaucoup. Vous devez vous remettre entre les mains de Dieu. Vous devez vous confier vraiment à Dieu. Parce que l'être humain est vraiment faible. Je vous le dis la vérité, l'être humain n'est pas fort. Le président n'est pas fort, il compte sur l'armée, il n'est rien. L'homme n'est rien. La poussière que tu... La poussière que tu mets dessus, le sable. Le sable peut sceller pour se battre toi. Le sable peut sceller pour se battre toi. C'est ce qui est l'être humain. C'est ce qui est l'être humain. L'être humain, c'est le sable. Sans Dieu et sa puissance, nous ne pourrons pas rester debout. C'est pas possible. C'est pourquoi hein, il faut vraiment s'accrocher à Dieu, s'attacher à Dieu, se confier à Dieu et non à l'homme. Vous voyez, voici les révélations qu'il y a à vous faire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Si vous voulez que je vous explique quelque chose, posez-moi les questions aussi. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses à vidéo à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, il y a un homme qui est. Qui chante, qui est décédé. Je vais vous parler un peu de ça. Vraiment, c'est la vie. C'est la vie. Mais soyez fort. Soyez très fort. Ne permettez pas à l'esprit du diable de vous dominer. Non, non, non. Ne permettez pas à lui de vous dominer. Ne permettez pas à lui de vous submerger. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Si vous voulez que le Saint-Esprit aussi lui vous guide, il va falloir lire la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église. Les plaisirs de la chair, là, il va falloir laisser ça. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ce sont les règles. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de choisir. Parce que là encore, vous avez le choix. C'est vous qui choisissez. La vie et la mort se trouvent entre vos mains. C'est ce que signifie cette phrase-là. La vie et la mort se trouvent entre vos mains. Faites votre choix. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça. La vie et la mort se trouvent entre vos mains. Faites votre choix. Avant de traverser la route, regardez à gauche et à droite. Avant de traverser la route, les enfants, regardez à gauche et à droite. Pour éviter la mort. Avant de manger vos pieds. Parce qu'on ne sait jamais. Quand moi je ne parle pas, si tu manges et que tu parles, si ça rentre dans quelque part où tu ne sautes pas, faut pas te plaindre. Tout ça, ce sont des conseils, ce sont des règles à suivre sur la terre ici pour avoir longue vie. Pour avoir longue vie sur la terre ici, là, il y a des conseils qu'il faut suivre. Vous devez chercher ces conseils, vous devez chercher comment faire pour avoir longue vie. Ça commence par la parole de Dieu. Ce que je vous dis là, ce sont des conseils à suivre. Ce sont les règles, c'est le guide. La parole de Dieu est là pour vous guider. Pour vous guider, pour vous guider. Dieu a créé sa terre, il a créé son monde. Vous, attachez-vous à la parole de Dieu. Lisez. Apprenez à faire le bien. Apprenez à bien marcher. C'est pour avoir bien. C'est pour avoir bonheur. C'est ça la parole de Dieu aujourd'hui pour vous. C'est ça la parole de Dieu aujourd'hui pour vous. Si vous voulez écouter les humains vont vous tromper. Si vous voulez écouter les pasteurs, les pasteurs eux-mêmes s'y cherchent. Donc, écoutez l'esprit. Écoutez celui-là même qui ne m'aime pas, qui ne meurt pas. Celui-là qui s'appelle l'éternel. Celui-là qui s'appelle je suis. Celui-là qui dit, oh, je reviens. La seule personne a dit, je reviens là, suivez-la.
Suivez la personne. C'est Jésus, non? Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais ils ne savent pas qui il est en réalité. Les gens pensent que Jésus-Christ, c'était film, c'était rêve, ou bien c'est un mensonge inventé par les blancs. Et moi, je vous dis aujourd'hui que si vous ne croyez à rien de votre rien, croyez à l'existence de deux choses. À la résistance de la sorcellerie et puis à la résistance de Jésus-Christ. C'est les deux choses que moi, je vois chaque jour. Je vois la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Tous les jours, moi-même, je dis ça, c'est la puissance de Dieu comme ça. Je suis Jésus, la puissance de Dieu comme ça. Et les ennemis me combattent. Et les sorciers. Ça fait que quand je marche comme ça sur un pied. Je ne peux pas aller à gauche, ni à droite. Vous, les jolies filles, là, restez chez vous. Hein. Vraiment, il faut faire attention. C'est un bon conseil pour commencer la journée. Parce que ce que Dieu vous dit aujourd'hui, c'est la révélation pour vous, gratuitement. Mettez-vous au. Mettez-vous au et longue vie. Ayez vraiment longue vie. Il y a beaucoup de choses à venir encore. Je pense que Dieu va nous instruire. C'est Dieu le plus grand sage. Nous sommes cet apprenti. Que Dieu nous donne l'humilité. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Tout le monde est dans la gloire. Ouais. Qui n'aime pas être à l'aise? Qui n'aime pas la bonne nourriture? Oh, non, mais t'es pas la bonne nourriture. En tout cas, si vous aimez la bonne nourriture, révélez de le Seigneur, marchez selon sa volonté, tout doucement, un peu, inquiété. Ça va aller. Que Dieu nous protège et qu'il veille sur notre famille. Prenez soin de vous. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.